Violaine Jotroux travaille dans cette usine depuis 15 ans. Mais récemment, elle a dû changer de poste à la suite de deux accidents du travail. Opérée au coude, l'employée ne peut plus travailler comme avant. J'avais peur, par rapport à l'handicap qui est minime, bon, c'est pas un gros handicap, que je sois mise dans un coin, que je ne sois pas acceptée, quoi. Et après, quand j'ai vu l'accueil et ce qu'ils pouvaient faire après, niveau gestes et postures, amélioration de poste, ça m'a soulagée, quoi. Comme Violaine ne peut plus répéter les efforts, l'entreprise a adapté les outils pour elle. Là, on n'a pas besoin de tourner le poignet, ça se fait automatiquement. Ça évite une douleur dans le foyer. Enfin, c'est un mouvement que je ne pouvais plus faire. Des personnes qui ont des compétences comme Violaine, hein, qui est conductrice de ligne, on a parfois du mal à recruter à l'extérieur. Bah, c'est dommage de se passer d'une compétence comme celle-là. Et donc, bah, c'est à nous aussi de trouver des idées pour améliorer ces postes de travail. Adapter les postes pour les personnes en situation de handicap. Ce soir-là, le DRH de Violaine a rendez-vous comme d'autres décideurs avec Philippe Croison. Le message est résolument offensif. Ose, tente ta chance, et surtout malheureux, attends pas que les gens viennent vers toi, va les chercher. Face au chef d'entreprise, l'homme de tous les possibles veut changer les mentalités. Il y a 90 chefs d'entreprise qui vont peut-être avoir une évolution dans leur cerveau en disant « je peux embaucher une personne en situation de handicap dans mon entreprise, c'est faisable, c'est possible, je viens de faire sauter les barrières, ça veut dire que c'est jouable ». Face à lui, cette femme est la preuve qu'on peut y arriver. Malika Boudiaf est handicapée depuis son adolescence. Elle est en plus atteinte de dégénérescence à la rétine depuis 2013. Mais ces barrières ne l'ont pas empêchée d'être embauchée en mai dernier par une société de production. Dans son bureau, le mobilier est adapté à sa maladie. Pour moi, ce qui est adapté, c'est le clavier. Avant, je travaillais avec ça et le problème, c'est que j'étais comme ceci. Durant toute sa carrière, Malika n'a jamais caché son handicap. Pour elle aussi, tout est possible. On est des travailleurs et des travailleuses comme tout le monde. Moi, je pense que l'handicap n'est pas un frein si on a la volonté et si on est ambitieux ou ambitieuse. En France, la situation doit encore s'améliorer. 18% des personnes handicapées sont touchées par le chômage.